J'arpenterai les chemins parmi ces îlots séparés, sourdes aux phrases du guide impuissant à les coudre, à combler les interstices. Les mots de Charlotte Delbault me tiendront lieu de bande-son. Par-dessus les cliquetis d'insectes répéteront la sensation du morcellement. Dans l'œuvre de Charlotte Delbault, écrire à Auschwitz, c'est écrire le fragment. J'attends le mot à Auschwitz, quasi absent de la trilogie à laquelle il donne pourtant son titre. Je sais que le texte renvoie à Auschwitz, mais le mot n'apparaît pas. Il ne vient qu'après 138 pages dans le premier tome, je les compte, après 36 pages dans le suivant. Charlotte Delbault use surtout de périphrases et d'images parcellaires. C'est une gare, puis une plaine désolée, puis une tache. Cette tache noire au centre de l'Europe, cette tache rouge, cette tache de feu, cette tache de suie, cette tache de sang, cette tache de cendre. Puis une ville sans visage, puis un endroit dont nous ne savons pas le nom. Et je comprends que pendant des mois, les déportés ont ignoré ce nom, englouti dans un trou de la carte, qui est aussi un trou dans la langue. Auschwitz, c'est selon Charlotte Delbault, l'innommé. Charlotte Delbault est devenue une compagne de route, un élément de mon paysage intime. Je chuchote son nom comme un talisman et me suis désolée de la méconnaissance qui entoure encore son œuvre. Parmi les causes multiples de cette injustice, il y a précisément la nature de son projet littéraire, ce qu'elle-même en a dit chaque fois qu'on a voulu l'entendre et qui dérange encore, et dont ses écrits sont la démonstration presque insolente. Comment imaginer point de vue plus iconoclaste, plus en décalage avec tant de témoignages rapportés des camps d'extermination, l'idée que rien n'est indicible, même à Auschwitz, et l'idée que d'Auschwitz on peut revenir, se délivrer par la grâce de l'écriture. Son œuvre est un manifeste pour la littérature et pour la vie. Voici son testament plus que vivant, d'une exigence et d'une modestie magnifiques. Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près, vous qui passez animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collé au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné, vous êtes beau. Si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement, avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement aux genoux. Comment vous pardonner d'être vivant? Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, comment vous pardonner? Ils sont morts tous. Vous passez, vous buvez aux terrasses, vous êtes heureux, elles vous aiment, mauvaise humeur, souci d'argent. Comment? Comment vous pardonner d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonnez, par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillés de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeunes chaque printemps. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Merci.